Tel qu'il nous et il s'agit de l'épisode numéro 5 de Dead Space. On est parti. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez très très bien, Jim Lao et Aaron. Passez un bon dimanche. Désolé. Désolé pour le. Non, en fait, je suis pas désolé, en fait. Je sais même plus ce que je voulais dire. Si, désolé pour l'alta, mais on s'en fout, en fait. Voilà. Non, rien. Alors, comment ça marche? Comment qu'on bouge? Je pousse ça, hop. Ça. Attends, j'entends un truc. Ah, ok. Alors, du coup, on a un point de force. On a pas trop de soins. On a pas mal de munitions, sauf pour le gun principal. On va voir s'il y en a des sous-sous. Je crois qu'on a plus trop de sous. On a plus trop de sous. Mais par contre. Attends, ça c'est pris, ça c'est pris. Au niveau des armes, le lance-flamme pourrait être rigolo à test. Je pense que je vais choper l'énergie plasma. De soins. Un petit kit de soins ou deux peut-être. Enfin, si j'en prends deux, je peux prendre que. Ouais. On a de l'énergie plasma au coffre en fait. Prendre ça. Enfin à l'inventaire, dans l'inventaire. Ah non, putain, c'est dans mon inventaire, je suis con. C'était pas dans le coffre. Quand je disais que je venais de me lever et que j'avais la gueule dans le. Eh ben c'est pas des blagues hein. C'est pas des blagues. Ok. Ok, ouais, effectivement, on a que dalle d'intéressant au coffre. Je me demande si je vends le découpeur. Je pense qu'on s'en servira pas, en fait. Allez, je vends. Les balles d'assaut, on peut garder. Ok, j'ai 19k maintenant. On va prendre. Ok. On va prendre. Est-ce qu'on prend le lance-flamme 11k? Si c'était le lance-flamme. Hein. Il y a le méga PK à prendre aussi. Je me tente. Non. Allez. Voilà. Kit de soins. Deux. Et on pourrait peut-être prendre le lance-flamme, on va avoir un. Pardon, ok. Je pense qu'on est bien comme ça. Ok. Donc, du coup. Je vais re-sauvegarder pour valider. Et ma connerie, si jamais c'en est une. Et Nikou, Nikou, coucou, Nikou, Nikou, coucou. Comment vas-tu, Nikou? Bienvenue ici. Ça fait plaisir de te voir. Tu ne viens pas souvent, donc c'est cool quand tu viens. Alors. Donc on était. Alors attends, est-ce qu'il faut que je. Tout va bien? Bah, à part que j'ai la gueule dans le. Tout va bien. Épisode 4. Non, épisode 6, ok. Donc on en est à peu près à la moitié du jeu, si bien compris. Il y a 12 chapitres. Mais ouais, tout va bien. Tout va bien, Nico, merci. Et toi, comment vas-tu? Je vais m'étrangler avec du thé maintenant. Ok, par là. Tu sais, je regarde les lives quand je regarde. Tu sais que je regarde les lives quand je regarde les lives. J'aime pas jouer et faire autre chose en même temps. C'est vrai, je sais. C'est vrai. C'est à ton honneur. Alors.
C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène. Ouais. Allez. Ah, je suis déjà passé par ici, j'ai buté le truc au fond. Et je pense que j'ai dû avoir la flemme d'écraser les cadavres. Ouais, bah là j'ai pas la flemme. Écraser les cadavres un matin à 10h10 du matin à Baltimore, moi, ça me revitalise. Ok, qu'y a-t-il par là? Non, mais j'ai tout looté ici en fait. Ouais, elle veut vérifier quand même. Mais bon. Coucou Marc! Marc le chat! Merci pour le follow, Marc le chat. Au fait, on a un point de force en RAM, on va voir ce qu'on peut faire. C'est hors de question que je garde mes points de force maintenant pour ouvrir les portes. On a vu que c'était de la merde. Donc, du coup. On va continuer sur le cutter. Recharge, non. Si je vais là, après, je peux prendre deux capacités. Recharge, c'est pas mal aussi. Alors on va se faire plaisir et on va prendre ça. Voilà. Prochaine fois, on ira entre les deux capacités. Ok. Exactement, Marc. Moi, je tabasse pour sécréter la jeu de la fétine. Ça me revitalise. Pef, Robin des Bois. C'est bien pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit. Dans Dajjal. Il y a un truc qui gicle de la viande. Qu'est-ce que ça veut dire? Serait-on dans un jeu dégueulasse? Je ne peux pas y croire. Ça va, la semaine je travaille au boulot, les matins, soirs et week-ends je travaille sur Elite Dangerous, la vie, lol. Ah, tu travailles officiellement ou tu travailles sur ton site? Yo Spectro, Prams ou pas? Non, ou pas là, ouais, ou pas. Ou pas, c'est Jim là-haut qui est Prams en ce moment. Jim là-haut est tout le temps Prams. Tu ne peux pas rivaliser avec Jim là-haut. Comment vas-tu, Spectro? J'ai pas réussi à faire Marc le chat. Et tu veux pas lui tirer du 6. Oh, méchant Twitch. D'accord. C'est pas grave, Marc. Allez, pardonnez-vous. Pardonne. Ok. Ah oui, c'est ça, mais alors. C'est ça, et c'est ça. On n'a pas compris la dernière fois. C'est ça. Je savais pas. Ah oui, puis y a quelqu'un qui m'a spoil. Ça y est, je m'en souviens. Mais je me suis. C'est bien parce que je sais plus pourquoi on m'avait spoil. Je me dis juste que je le bute lui. Mais je peux pas. Ok, il va falloir que je bouge un peu certaines choses là parce que j'ai pas de place pour ma souris en fait. 2 secondes. Et du coup, dans ce jeu, s'il y a un monstre pas beau me saute à la bouche, je puisse réagir. Vu qu'il faut que je bouge ma souris comme un malade. Ok. Ah, alors, si peut-être que si j'appelle la cuve nutritive, du coup, je vais pouvoir lui tirer dessus. C'est une connerie comme ça. Il a du mal à respirer, achève-le. Carrément. Ouais, c'est ça. Ça, mais alors, attends. Oh. Putain. Non, quand je dis élite, c'est parce que j'aime ça, je bosse pas sur frontière. Ok, d'accord. Presque problème, ceci, Nico, ouais. Elles t'enfilaient leur grippe leur killer. Non, non, en fait, j'ai. La cigarette et ses ravages, lol. Non, Marc, en fait, j'ai. Je me suis levé à la bourre, et du coup, je suis pas encore réveillé vraiment, en fait. Je me suis vraiment levé à la bourre, c'est-à-dire, je me suis levé une demi-heure avant de démarrer le stream.
ce qui est en général l'heure à laquelle je descends dans à la cave pour préparer tout le bordel. Du coup, j'ai eu le temps de prendre une douche de 30 secondes. J'ai pas mangé. Ah ! Attends, est-ce que j'ai des grenades ? Non, j'ai pas de grenades. Et j'en ai eu un. Putain, c'est lourd. Ok. Non, de Dieu. Ok, maintenant on monte. De Dieu. Niveau 2. Pour voir. C'est pas là. J'entends des splurches. Je me dis qu'il y a des vilaines bébêtes partout là. Ok, petit kit de soins en plus. Hier j'étais là pour ton stream. J'étais pas là pour ton stream parce que j'étais voir Rogue One Star Wars Story. Ok, je te pardonne. Pardonne Marc. C'est une bonne raison. On t'aurait pas voulu si t'avais été un peu en retard, prendre du temps pour toi quand même. Oui, non, c'est vrai, mais bon, j'ai toujours mis un point d'honneur à être à l'heure, en fait. Je démarre toujours le stream à la minute près, en fait. Après, je sais très bien que si j'ai un vrai empêchement qui fait que je peux pas démarrer à l'heure, vous m'en voudrez pas, je sais très bien. Et puis j'ai juste à prévenir, voilà. Mais on va reprendre là, en fait. Mais bon, je pouvais y aller quoi. Voilà, je pouvais y aller. J'ai pas trop faim, je prendrai une pause tout à l'heure, j'irai manger 2-3 tartines et puis voilà. Donc bon, après c'est juste mon cerveau qui est un peu lent, mais ça va aller mieux dans quelques dizaines de minutes, c'est tout. Mais c'est vrai que j'ai la voix un peu rauque du coup. Désolé si je suis absent, je parle avec mon frère sur internet. Y'a pas de soucis, hein, t'inquiète. T'aurais pu simplement faire une stase sur la porte pour enfermer mon... Ah putain, mais oui, Spectro. Mais oui, mais... Non, mais voilà. Mais à jouer comme d'hab, hein, je joue une fois par semaine, 2 heures par semaine à ce jeu-là. J'avais complètement oublié qu'il y avait cette fonctionnalité-là, en fait, Spectro. Du coup, voilà. Bah, maintenant, je sais. Tout à fait. Ok. Ah mais tire dans le truc! Tire là! Ah! Ah! Ok! Pas super top le taxi ici. Franchement. Pourquoi je peux pas sprinter? On n'a pas le droit de sprinter ici, d'accord. J'ai plus d'interface. Y a pas d'interface en fait, je suis con. Je vous dis, c'est ouh là là. La seule bonne réplique du film, de quoi? Je m'en ai dit, si j'avais su, je serais resté voir ton stream hier soir. Ah, il était pas bien, d'accord. Je suis pas ultra fan de Star Wars, moi, donc j'ai même pas vu The Force Awakens, donc. Je le verrai un jour probablement. C'est pas que j'aime pas, c'est que. Je m'en fous un peu quoi. J'ai même été spoil. Ingénieur en chef, je suis venu chercher le docteur Elizabeth Cross, mais elle n'est pas là. En fait, il n'y a personne ici. Rien que cette
saloperies organiques partout. Je vais voir au pont de forage, c'est le dernier endroit que je n'ai pas fouillé. Un vrai empêchement, genre le chat qui fait à côté de la litière. Non, Nico, un vrai empêchement du genre... Oh merde, il est une demi-heure plus tard que prévu. J'aurais dû démarrer le stream il y a une demi-heure, quoi. Ou un empêchement du genre... Ma fille a fait à côté de sa litière, par exemple. Ça marche aussi. Je sais pas qu'il est pas bien, c'est moi que j'ai pas aimé. D'accord. Et les trois amis qui étaient, ont pas aimé non plus. D'accord. Oh, ça, oui, ça arrive. Hop. Ok, on a de la stase ici. Ok. J'ai cru entendre un truc qui marchait. Alors pour la stase, non, c'est pas ça. Pour la stase, on vise et on fait C ou F, je ne sais plus. Yes, donc ça c'est la. Ok. La stase, ça va être C. Entrée zone sans gravité. Alors on va la faire à chaque fois. Oh non, si c'est sans gravité, alors ça veut dire que c'est pas grave, il t'inquiète pas, Elki, tout va bien. Ça se laisse regarder, t'as trouvé plutôt sympa toi, le spectre. Ok. Après, hein, les goûts et les couleurs. Hein. La première scène, j'ai juste AF. Okay. Bon. On sait pas parce que moi je m'en fous des spoils sur Star Wars qu'il faut faire des spoils, attention. Il hein. Y a les gens ici qui l'ont pas vu, je pense. Ils veulent pas de spoil. Donc attention. Hop 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 hop. Ok, donc j'imagine. Attends. Déjà on va essayer de regarder où on va. Bah, je sais pas. Donc on va faire ça et ça. Oh, sérieux? Ok, il fallait que je me dépêche un peu. Il fallait que je sois un peu plus rapide. Je pensais que j'allais être safe de l'autre côté. Et putain. Nico, merci beaucoup pour le host. Merci. Ah là 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 là. Tout le monde sait qu'il y a une héroïne, elle est dans la bande-annonce. Bah, j'ai pas vu la bande-annonce parce que je ne regarde jamais les bandes-annonces parce que les bandes-annonces, ça spoil le film. Mais bon. Voilà, écoute, Elkino est au courant que le courant s'attue. Lol, mais comment est-ce que je pouvais annuler? Comment est-ce que je pouvais savoir qu'il y a de l'électricité jusque là où j'allais en fait? On peut pas tout voir dans ce qui est une caméra de jeu de merde. Oh de Dieu. Je ne pouvais pas savoir. Demande à Clo-Clo, il était au courant lui aussi. Ouais, il était au courant, mais au moins lui, il était tout propre. Moi, lui, il a pu prendre son bain. Moi, j'ai pris qu'une petite douche. Ok. Spectro se pend. Non, Spectro, mais non. Ok. Donc, ouais, moi, les trailers, je regarde pas. Hein. Surtout si je veux voir un film. Je regarde surtout pas les trailers. Hein. Les trailers, ça spoil la moitié du film, quoi. Hop, hop, hop. Parce qu'en fait, je pensais pas... Ah, mais ouais, d'accord. Je pourrais peut-être aller là, en fait, directement. Non ! Non ! Non ! Non ! Je sais plus où je suis, je comprends plus rien. Ok. Pas mort, c'est déjà ça. Tu vas aller où? Là. Et à droite, hein, c'est ça. Ok, donc on fait ça. Je fais ça. Et après, je fais ça. Là. Putain, mais...
Par contre, le film est très bien réalisé, ça c'est cool, mais en même temps, c'est pas comme si Disney, ils avaient pas l'habitude de faire des films. Donc, bon. Le haut est en bas, ouais, le haut est en bas, le bas est en rond, la droite est en haut aussi, et du coup, la gauche, on sait pas encore trop en fait. C'est bien mon problème. Chier. Ici Temple, ingénieur en chef. Je suis venu chercher le docteur Elisabeth Cross, mais elle n'est pas là. Annuler B, je sais pas ce que c'est B, alors bah voilà, j'annule pas. Cette saloperie organique partout. Je vais voir au pont de forage, c'est le dernier endroit que je n'ai pas fouillé. Plus pas elle qui l'a tué, elle n'existe pas. Comment ça, inventaire plein? Mais j'ai pu le prendre tout à l'heure. Il m'a changé d'objet en fait. C'est plus. D'accord, ok. Je n'avais même pas cherché. Entrée zone sans gravité. Tu m'as menti le jeu! Tu m'as dit qu'il y avait pas. C'était pas grave! Tu m'as menti! Il faut que j'aille là, quoi. Je peux aller là direct. Le problème c'est qu'on peut pas tester, putain, et on voit pas tout, je peux pas monter la caméra au max quoi. C'est franchement naze. Comment renforcer la difficulté du jeu grâce à un gameplay moisi? Je vous présente Dead Space. Putain. Personnellement je sais que je reverrai Star Wars 7 avec plaisir, que Rogue One, j'en ai déjà plein la carrière. D'accord. Bon. Faut pas genre défoncer le truc ou le prendre. Ah, si je pouvais le défoncer, ouais, ce serait bien. Pas l'impression. Par contre, ce que je peux faire, c'est le ralentir, sauter de l'autre côté, le ralentir encore. Et faire comme ça, faire ça. Wow. Hop. Ouais. Yes. Non. Il est où l'autre? T'es là l'autre? T'es là l'autre? Ah, que je t'avais pas vu? Si, je t'avais vu. Voilà, flotte en paix maintenant. Flotte en paix. Ok. Où est-ce qu'il faut aller maintenant? Oh, il y a encore un truc... Un respiration limite. Un truc qui respire très mal. J'ai réussi à le récupérer, je crois. Ouais. Oh là là. Merde, mais sérieux là. Souris qui s'y met maintenant. Une seconde. Oh là là là. Oh là là, merci beaucoup pour le host, Spectre. Par où on doit aller? Par là. Hein. Ok. Ou du coup, ça. Ah ah. Pas réfléchir. Pas respirer. Non! Non! Flotte en paix. Il quitte le 18 décembre 2016. Ouais. Bonne citation, effectivement. Bon, alors j'ai un problème. J'ai acheté des recharges pour le pour mon flingue et j'en ai plus maintenant. J'en ai acheté 3 quand même. Ok.
6 balles. Par où doit-on aller? Là. Et là. Oh, comment? En fait, tu peux pas sauter trop haut des fois. C'est trop loin en fait. Ou trop près plutôt, je veux dire. C'est chiant. Sérieux? Oh! Ça va pas, monsieur? Ça a pas l'air d'aller, monsieur. Coucou Blacky qui est là tôt aujourd'hui. Comment ça va, Blacky? Marche. Arrêt. Ah, yes! Ça va être beaucoup mieux, du coup. Allez! Tu peux le faire. Il peut pas le faire. Pas le faire non plus. Sérieusement? Tu fous de ma gueule le jeu. Putain, la caméra, sérieux, je veux aller en haut. Oh. Vous avez les tripes à l'air, monsieur. Concentré, Elki, il est pas réveillé aussi. C'est pour ça qu'il est concentré, il a l'air concentré. En fait, il essaie de se réveiller et de pas faire trop de conneries. Bordel. Voilà. Il y avait un pixel où je pouvais sauter. Ok, on repart par là, donc. C'est bien la peine. Sortie zone sans gravité. Bah, on fait tout ça. Mon homme est complètement malade, chacun son tour. Oh merde. Bah je lui souhaite un prompt rétablissement. Ok. N'oublions pas que nous n'avons pas sauvegardé. Mais du coup ça veut dire que t'es pas obligé de l'amener à son taf, c'est ça? Ou d'aller le chercher plutôt. Du coup ça veut dire que t'es là toute l'après-midi. Et de retour, désolé les gens, je parlais avec mon frère sur Skype, enfin FaceTime. Il n'y a pas de souci, Aaron. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu sais, moi, quand je vais sur un stream, je fais hey, salut, ça va? Je papote un peu, puis après, en général, je suis au taf, donc je continue mon taf. J'écoute, et puis des fois, j'écoute plus. Des fois, je pars en réunion, et puis je le dis même pas. Et donc, voilà. Ok. Décidé de commencer à noter toutes les expressions made by Elki nous à partir d'aujourd'hui. LOL, cool. Tu fais un répertoire. Oh non, c'est une grenade dans le chat, mais non. Pourquoi ça, Aaron? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Ok, faut redescendre. J'ai l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Probablement pas, vu qu'on a buté une. Un des poumons chelous là. Hop, hop, hop! Ok, j'ai plus beaucoup de munitions. Plus. Ok. Ok. Bon d'accord. Qui fait sprouch là. M'inquiète. Le sprouch m'inquiète. Voilà. Le symbole en haut, ça veut dire qu'il y a du wifi là-bas, hein, c'est ça? Ok. De soins, d'accord. Énergie laser, ok. Énergie plasma. Oh non! Te moque de moi le jeu? Sérieusement? Maintenant j'ai trop de soins quoi en fait. Je
pas acheté ça, quoi. Pas grave. C'est dommage parce que du coup j'aurais pu rechercher mon flingue au moins. Oh. Ah bon, on va probablement repasser par là. Ah, c'est pas dit en fait. Pas dit en fait. Pas de soucis, c'est juste que voilà, j'étais au début du chat, puis silencieux. Je veux pas que les gens pensent que je les ignore alors que je les adore, mais tu vois, tout le monde sait que tu les adores de toute façon. Tout le monde s'adore ici. Il y a que de l'amour sur ce chat. Hein? C'est ça. Isaac, où es-tu? Aide-moi. À qui je transpasse son réveil, il est en train de ronfler dans le canapé là, et non, je prendrai quand même la route tout à l'heure. Oh, bah non, Blacky, bah non. Moi j'ai une malédiction, je suis jamais malade, mais j'ai jamais, mais vraiment jamais, j'ai demandé à mes parents si j'avais les maladies infortunées. Bah non. Ah. Ouais, donc ça peut, faut que tu fasses gaffe si jamais tu tombes malade, effectivement, à Spectro. N'empêche que Dead Space à 10h du mat, ça doit être bien particulier quand même, ça l'est, Blacky. Se réveiller et faire du Dead Space, comme ça, là, c'est assez particulier, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si j'ai tué une oie, je suis un Terminator. Hein. Le symbole en haut, ça veut dire qu'il y a du Wi-Fi. Regarde. Ah oh là là, je suis capté par Marc. Que se passe-t-il ici? Alors, déjà, on va... soin moyen, un mini kit de soin, on va poser ça. Ça, on va le vendre. Oui, sans regret, tout à fait. Stase, on va le déplacer. On va regarder, hein. Énergie laser. Alors, énergie laser. Ah oui, c'est vrai que j'ai un nouveau flingue. C'est le choc laser. Il m'a pas... jusqu'à maintenant, il m'a pas fait... m'a pas impressionné en fait. Voilà. Dieu. Mon meilleur flingue, c'est quand même mon petit cutter, quoi. Voilà. Il reste encore de la place. J'en prenne plus en fait. Ouais, ça coûte cher. Ça fait de toi un Terminator. Oh, bien vu. Tu crois que c'est cool de jamais être malade, tu peux pas savoir comme c'est casse-couille. Ah bah écoute, si t'es pas malade, ça veut dire que t'es obligé d'aller au taf tout le temps. Donc là-dessus, je te comprends. Maintenant, être malade, c'est pas forcément cool, hein. Quand t'es gamin et que ta maman te dorlote... Tu peux rester au lit ou devant la télé et puis tu fais ah j'ai faim et on t'apporte à manger, ah j'ai soif, t'apporte à manger, ah je suis malade, on t'apporte tes médicaments et puis t'es au chaud et tout ça c'est cool. Mais quand t'as la crève et que ta femme et ta fille aussi et que t'es quand même obligé de... et que tu peux pas, t'as personne pour t'occuper de toi, c'est moins cool quoi. Mais bon. Ça dépend de comment c'est, de voilà, ça dépend de quel type de maladie c'est, ça dépend. Ok. Purification. Niveau d'oxygène et d'azote restauré. Ouais. Verrouillage garde-manger levé. Ouais. Tu dois toujours bosser sans jamais être une fois malade dans ton lit pendant une bonne semaine, un jour ou deux, ça fait chier. Non, bah ouais, pour ça c'est vrai, mais bon. Comme je dis, ça dépend. Ok. Pourquoi est-ce qu'il me fait pas, de munitions pour mon petit flingue? Oh oh. Oh oh. Oh je... Je suis pas sûr d'être super fan de ce truc que je vois là en face.
Ça a pas l'air de se tuer. Filtre de nourriture. Ça existe les congés maladie aux USA? Alors, oui et non. C'est, alors, vous le saviez déjà de toute façon, mais les congés aux États-Unis, ça dépend en fait de l'entreprise. C'est-à-dire que la plupart des entreprises, enfin, voilà, il y a beaucoup d'entreprises, je sais pas la plupart, j'en sais rien, je peux pas dire ça, mais il y a beaucoup d'entreprises qui en fait n'offrent pas de jours de congé appelés PTO, Private Time Off, donc du temps. Du temps de congé privé, on va dire. Et il y a plein d'entreprises qui n'en offrent pas parce qu'ils sont pas, elles sont pas tenues en fait. Après, ça dépend aussi de certains états, mais les entreprises sont pas tenues d'en proposer à leurs employés. Moi, j'ai 14 jours. Et en fait, ça inclut les congés maladie. Si je suis malade, ça, je dois prendre dans mes jours de congé en fait. Ce qui est un peu débile parce que du coup, les gens viennent au taf quand même en étant malade et ils infectent tout le monde parce que bah j'ai plus de jour de congé pour être malade, sinon si je reste chez moi, je suis pas payé. Voilà, c'est ça l'idée. Donc bon, on aime, on n'aime pas, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, moi je suis pas super. Ouais. Bon sang, le poison n'était pas assez puissant. Il est toujours en vie. Dépêchez-vous de l'éliminer avant qu'il ne contamine tout le vaisseau. Ok. Nouveau objectif. Pas récupérer ça. Je kiffe le bruit de Windows 95. Oh putain, j'ai cru. What the fuck? Un gros sphincter! Entrée zone sans gravité. Ok. Ouais. Ouais, ça me paraît quand même pas. Ah oh, putain! Ah non. Ah ben recharge, c'est pas le moment de recharger, putain. Aïe. Ah putain, ça part tellement lentement. Ok, si j'essayais ça. Ah, en fait, je sais ce qu'il faut faire, je sais. J'ai compris. Ah non, mauvais moment. Ah, oh, j'ai plus de stase en plus. Oh merde. Bon, bah, ça, à mon avis, c'est rip. Hein. À mon avis, c'est énorme rip. Il est quand même bien mon petit flingue. Il est quand même bien. Nique plus de trucs. Ah. Putain, j'en ai plus hein. 4 balles. Vas-y, viens là toi. Viens, je t'attends, viens. Oh putain, change de trou. Je ne pensais pas qu'un jour j'aurais à dire oh putain, elle change de trou. Il y a quelque chose de pas sain dans ce mob. Non. Ah bordel. Non. Yes. Ok.
C'est dégueulasse. Oh merde. Bouffe tes météorites. Non. Non. Putain. Recharge. Recharge. Ou pas. Sérieusement. Mais non, ce flingue, c'est de la merde. Ah, super. Bien. Ah, bordel. Dire qu'on se plaint des systèmes français quand on voit finalement le nôtre est pas si bien. Ah, mais c'est clair, Marc, c'est clair. Attends, quand le dernier boulot que j'ai eu en France, en comptant les RTT, j'avais 45 jours de congé par an, quoi. 45 jours. Je suis arrivé en Irlande, j'en ai eu 23. C'était... J'étais là, bon. Et là, maintenant, 15, 14. C'est pas la teuf, quoi. Pas la teuf. Mais bon. Je comprends que tu parles d'expérience. S'ils n'ont pas vécu la situation donnée, ils en ont rien à cirer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Coucou Ben, comment vas-tu? Je sais pas quel jour j'aurais à dire, oh putain, je sais trop. Bon. Oh, l'épisode 6. Oh, je vois que t'as aimé les tentacules, comment ça va? Oublie pas, si tu veux des conseils, t'inquiète pas, y'a pas de soucis, Ben. Je sais bien. En fait, là, ce que je veux, c'est avoir des munitions pour mon petit flingue. Parce qu'il est tellement bien. Je crois que je vais revendre. Je vais revendre le choc laser. Je peux pas, j'y arrive pas. C'est la 3DS. Si. J'en ai une. I got one. Ok. Alors. Plus sérieusement. Choc laser. Va-t'en. Oh oui, sans regret. Bon, le trancheur, j'aime bien. Le trancheur, j'aime bien. C'est bien pour les gros mobs. C'est super lent, mais c'est pas mal pour les gros mobs. Désolé. Et donc l'énergie laser qui à chaque recharge coûte aussi cher que le flingue. Oui. Non. Oui, sans regret. Recharge de stase, on va la garder. Tous les flingues, les soins, les gardes. Ok, maintenant. Voilà. T'en as assez de l'énergie plasma, nom de Dieu, quoi. Sérieusement. Ok. Recharge. Resauve, plutôt. Oui, je veux. Je veux... Hein? Moi non plus, ça fait un bail que j'ai pas... C'est vrai que moi je l'ai... Je l'ai, mais ouais, je l'ai pas utilisé depuis super longtemps en fait. Depuis que mes jeux sur le téléphone, les jeux sur téléphone me plaisent autant que les jeux sur 3DS. Probablement. Tu changes de pays et moins t'as de jours de congé, le tir fait depuis que tu t'éloignes de la France et moins t'as de vacances. De là à dire qu'il y a une cause à effet. C'est vrai. Après, il y a des pays qui ont plus de jours de congé que la France, comme l'Italie par exemple. Alors je vous conseille de regarder un documentaire, le dernier documentaire de Michael Moore. Il s'appelle Where to Invade Next, quel pays envahir après. En fait, il regarde un petit peu tous les pays du monde qui font les choses mieux que les États-Unis. Et principalement, c'est en Europe en fait. Typiquement, par exemple, la Finlande qui a un système scolaire qui a priori le système scolaire, le meilleur système scolaire du monde, quoi. Un système d'éducation plutôt.
Et puis l'Italie, par exemple, était un des pays comme il y a le plus grand nombre de congés au monde pour leurs employés, même dans les usines en fait. Et c'est pas pour ça qu'ils sont pas productifs, quoi. Parce qu'effectivement, si un employé est content et reposé, ben, il va mieux bosser, quoi. Les consoles chez Blacky prennent la poussière, lol. Moi, je retourne sur TS et je coupe le son, donc si on m'envoie un message, ça marche, Ben, ça marche bien. C'est bon. T'as pas une meilleure combinaison à mettre? Non. Pas. Non, j'ai pas eu de plan pour une nouvelle combinaison. Spectro. Donc c'est comme ça. Mais en fait, il y a pas de... je pense que je vais pas y avoir de Entrée soucis. Hein. zone sans gravité. Tout va bien se passer. Vous allez voir. Tout va bien aller. Allez. C'est pas grave. Ah. Ça va être lui. Il va sortir là. D'accord. Hop là. Non mais bordel. J'aurais dû le buter avant. C'est pas grave. La dernière. Maintenant. Il est pas content. Ah, il est pas content. Il essaie de se... Ok, ça repousse. Non! J'espère que j'aurai assez de soins, quoi. Ah, il mélange les phases maintenant, d'accord. Ok, ça me va. C'est bon là? Ok. C'était au cas où. Isaac, t'as réussi. Hammond, vous êtes là? Dégueulasse. Les niveaux d'oxygène deviennent normaux. Mais enfin, on l'a perdu. Je ne détecte plus ces rigs. Bon, c'est à nous de jouer. J'ai un plan pour foutre le camp de ce vaisseau. J'ai localisé une balise de détresse sur le pont de forage. Si tu peux aller là-bas et l'activer, on pourra lancer un appel de détresse. Mon Dieu, je ne sais pas combien de temps cette porte tiendra. Ok. On a réussi à buter le sphincter de l'espace. Par où je vais? Je retourne derrière, ouais. Je vous avais dit que le petit flingue c'était le meilleur flingue du jeu. Zone sans gravité. En même temps, c'est facile, je l'ai upgradé à mort. Donc, Mais toi, t'as à vendre l'autre aussi, à garder que celui-là. Je vais carrément devoir souffler dessus, genre c'est un trésor de 1000 ans. Le. La 3DS de Blacky. Je sais pas si je la ressortirai un jour ma 3DS en fait. Pourtant j'ai plein de jeux dessus. Ok.
Donc, on va retourner là. Est-ce qu'on a rien loot? Rien loot du tout. Donc, j'ai envie de dire super. Parce que on a encore de l'énergie de plasma, on a encore un peu, ok. De soins moyens. Une kit de soins, on va le déplacer là. Si. Merde, pas ce que je voulais faire. Et on va racheter de l'énergie encore. Encore plein d'énergie, voilà. Un boss qui loote rien. Bah ouais, ou alors j'ai. Peut-être que j'aurais dû aller voir en fait. Peut-être que j'aurais dû aller voir plus. Plus proche. Parce que ça se trouve, il m'a looté des trucs. Pas là. Pas là où j'étais, quoi. On va retourner voir. Hein. Pour être sûr. Hein. Parce qu'il loote rien, c'est pas normal. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Après, voilà la gueule du boss, quoi. Entrée zone sans gravité. Oh! Bah! What? Il a l'air vivant de nouveau! Non, c'est un bug. Hein. Ah, il y a des trucs là. C'est un vieux bug, hein. D'accord. Parce que enfin, voilà quoi. Des kits de soins en fait. Il y en a encore là. Non, je pense que c'est bon. Ok, je pense qu'on est good. Sortie zone sans gravité. Donc ouais, non, il a rien looté de correct en fait. C'est vrai que ça devient drôle comment on fait pour ajouter un ami sur la 3DS. Alors là. Je crois qu'il faut que tu démarres sur le. Il faut que tu démarres sans cartouche, Blacky. Il me semble. Tu démarres sans cartouche, tu vas voir le dashboard de la console. Et il me semble que c'est là en fait. Mais après, je suis pas sûr. J'en mettrai pas ma main au feu, ni à couper. Je pense que j'en mettrai plus ma main à couper que ma main au feu. Ça a l'air de faire moins mal. Je crois que c'est coupé quoi. Ok, par où va nous? Par là. Par là. Ok, encore une heure de Dead Space. Et après on passera sur Sanitarium. J'ai hâte de continuer Sanitarium, vous pouvez pas savoir. Mais réfléchis, l'arrêter, gars. Et la couper au feu, je veux dire couper ma main avec un. Avec du feu. Ça revient au même de la couper avec du feu ou de la couper avec une lame. Je pense que ça me va, Marc. Ouais, ça me va, ouais. D'ailleurs, ce qu'Alti va perdre une main aujourd'hui, c'est vachement simple en fait. Ah ouais, c'est pas si compliqué que ça, effectivement. Là-bas, c'est pour les enfants. Ah, c'est pas si compliqué que ça. Oui. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Bref. Ouais. Là-bas, c'est pour les enfants, la 3DS. Non. Non, c'est pas pour les enfants. C'est Nintendo. Sinon, tu dis que tout ce que fait Nintendo, c'est pour les enfants. Non, c'est fait pour les gens qui aiment Nintendo. J'ai failli dire c'est, non, c'est pour les japonais, mais mais bon, c'est l'avantage de cotériser vite. Oui, c'est vrai.
C'est bon, autant coupé au laser en fait. Ouais. Après, plus ça coupe vite et moins ça fait mal, je pense. Épisode 7, j'ai perdu vite. Qui a peur du vide? Qui est-ce qui a peur du vide? C'est notre dernière chance de partir d'ici vivant, Isaac. Il y a un astéroïde chargé dans l'air des mineurs prêt à être traité. Fixe la balise de détresse sur ce caillou, comme ça on pourra l'éjecter dans l'espace pour émettre correctement. Va sur le pont inférieur de maintenance. Tu peux lancer la balise depuis la salle de contrôle. Oh, merde, cette salle est verrouillée. Il semblerait qu'une clé d'accès d'urgence se trouve sur le pont inférieur d'embarquement. C'était trop facile, hein. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Ok. Je veux que le sphincter géant meure. Mais il est mort, Aaron, il est mort. C'était un bug. Il est mort. You kids, cool. Coucou. Comment vas-tu? Pudor est arrivé sans se presser. Coup pour la main, coup pour la main. Avec les doigts et les os. What? Tu te rappelles du mot de passe Wi-Fi? Comment ça, tu te souviens pas de ton mot de passe Wi-Fi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Blacky? C'est pas possible de ne pas se rappeler de son mot de passe Wi-Fi. Oh, un point de force! Yes! Cool. Mais si on lui donne de l'axative, on va se retrouver noyé. C'est que le sphincter géant est mort. Non, non, mais il est mort, t'inquiète. Tout va bien. Tout va bien. Ok? Bienvenue dans votre nouveau hub. Là où vous sauvegarderez, vendrez et améliorerez votre matériel. Comme à tous les niveaux. Ok. Aussi, je te loot. Mais c'est là maintenant qu'il me file plein d'énergie plasma, quoi. Pas grave. C'est bien. Plan. Bah ouais, je veux, ouais. Je suis tout enfilé à la maison une fois que c'est réglé. Mais t'as pas de téléphone? Tu vois, Alkinif, je vais faire découvrir les trésors de Blake. C'est juste une blague un peu tendance. Ok, Aaron. Amélioration. Cutter plasma. Ok, on a 2 points. Donc, ben je pense que ce qu'on va faire, c'est ça. Comme ça, prochain coup, on fait... Là, donc il nous manque 3 en fait pour pouvoir finir le cutter. Cool. Et après, soit on continue à améliorer le rig, soit on, je sais pas, ouais, le rig. Pour l'instant, je suis vraiment amoureux de ce flingue là. Les autres flingues, ils me semblent tellement pourris. J'imagine qu'ils le sont pas quand ils sont améliorés. Moi je range mes armes par catégorie dans ce jeu. D'accord. C'est une façon de faire aussi. Moi je les vends. J'aime pas ça. Inventaire plein, évidemment. La musique qui fait flipper, juste qui fait exprès de faire flipper comme ça. Ah, il y a un stock, il est là. La précision, attaque de zone, c'est qui sert à rien, d'accord. Kit de soins moyen de déplacer. Énergie plasma. Oui, je garde tout ça. Oui, je garde tout ça. Oui. On va aller récupérer l'autre. Il vient de replonger dans son sommeil, quoi. T'as 3DS ou ton mec? Mhm.
Kit de soins max. On va le mettre là. Ça, on va regarder le reste. Voilà. Comme lance-flamme, il sert à rien. Je l'ai pas encore le lance-flamme. En fait. J'ai pas de lance-flamme, j'ai que deux armes, je n'ai pas acheté le lance-flamme. Ok. Away. Bon bah y a pas un sphincter géant à buter, j'espère pas, j'espère que la prochaine fois ce sera un chibre géant. Remarque. Désolé mec, mais c'est pour le cas où je voilà. Tu ne souffriras plus. Always follow mining deck procedures. Keep your rig synced up. Read and understand manuals. Inspect your work area. Never approach active machines. And keep all shields and guards in place. Ok, merci beaucoup. Je dois aller où? Là, je suis au pont. Ah, c'est ça. On va au pont B, quoi. C'est quoi l'arme en bas? J'ai pas d'arme en bas. Regarde. J'ai le trancheur et. Putain, bordel de merde! Dégage, 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 dégage! Bordel, 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 il y en a deux, 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 il y en a deux. Ok. C'est bon là? Ou alors je l'ai pas équipé Spectro peut-être. Oh regarde. On peut voir là, tu vois, à gauche j'ai mon trancheur et en haut j'ai le cutter. C'est tout. Mot de passe retrouvé, GG! Merde, le sphincter, j'ai cru que t'en avais une troisième. Bah j'en avais une troisième Spectro, mais je l'ai vendu. Je l'ai vendu parce qu'elle me servait à rien, c'était le choc laser. Je la trouvais toute pourrie. Ici Temple, j'ai trouvé Elisabeth, mais il n'y a plus une seule navette de secours sur ce maudit vaisseau. Jacob, dépêche-toi, il faut qu'on trouve une balise. Il doit bien y en avoir une dans le coin. Salut. Merde. Petite crotte là, petite crotte de merde. Bordel! Ah, y en a d'autres Kieblo là-bas. Ok. Mais alors attends, pourquoi est-ce que je viens de looter du combustible? Ça veut dire que je l'ai acheté le lance-flamme? Non. Possible. Ok. Oh là là. T'as envie de plus de baston? Bah voilà Aaron. Ce jeu est horrible. Là, ce que j'aime dans Dead Space, au moins, l'IA essaie toujours de te prendre par derrière, pas d'adversité. Non, 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 non. Bon, ça fait chier. Faut que j'aille buter les petites merdes, parce que sinon, sinon, elles vont me revenir dessus.
au moment où je m'y attends le moins en fait. J'ai pas un truc. C'est pour ça que le lance-flamme, peut-être qu'il aurait pu être intéressant. Je puisse les buter tout en même temps en fait. Les crevettes. Voilà. Ouais. Ok. C'est parti par là. Les trucs bougent tout le temps, même mort. Mais oui, c'est clair. Je sais jamais si c'est vrai, c'est vivant ou si c'est mort en fait. C'est ouf. Ok. Ok. Lui il est mort, mais bon. Y'a où? Viens. Placard. Balles d'assaut. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai chopé les balles d'assaut même sans avoir le fusil d'assaut. Donc... Bizarre. Yo Koima, coucou, comment vas-tu? Bienvenue ici. Loupé. Oh. Ok. On va sauvegarder. FK plus 1, ça marche les coups. Si je te revois pas, merci beaucoup d'être passé. Et puis la prochaine, oublie pas le 23. Bon Spectre, tu peux balancer. Oh là là, que se passe-t-il? Attends, je balance. Mais Belkazi, salut les cookies, ça croustille. Ça croustille carrément. Tout croustille super bien. Hein? Hein? Comment ça va Belkazi? Content de te voir ici. Ça va très bien. Pour ma part. Je commence à me réveiller un peu là. Non! Moi le malin sans les jambes. Ok. Ok. Problème procédure. On a le forage. Croiz G. La situation de pire en pire ici. La faille de gravité s'est produite en pleine manipulation et un astéroïde s'est libéré du rayon tracteur. Il a heurté un mur, écrasé deux hommes et éclaté en morceaux. Il y a plein de débris qui flottent dans la salle et tant qu'ils seront là, on ne pourra pas rétablir la gravité. On aura bien besoin d'un ingénieur. Cool. Ça tombe bien, je suis ingénieur. Ingénieur avec des grosses bottes. Ingénieur, grosses bottes. En rapport. Merde. Je vais peut-être prendre Ouh, en même temps j'avais du stock mais bon. Dégage, la mouche. J'ai encore mes bugs de chat, mes messages apparaissent pas. Ah c'est chiant ça hein. Normalement si tu fermes ton navigateur et que tu le réouvres, ça devrait. Ou F5. Voilà. Moi je disais. Si t'avais... Ah oui, je disais bonjour Belkazi, ça croustille carrément. Comment vas-tu? Moi ça va. Un truc dans le genre. J'ai envie de poser ma recharge et ma stase là. Je me dis que ça peut servir. Énergie plasma, ok. Donc les balles d'assaut, on va les vendre. Combustible, on l'a le vendre. Énergie méga PK.
Je connais pas le méga PK encore. On va le poser au cas où on achète le méga PK, on verra bien. Pas très bien et toi, toujours en train de faire peur, mais carrément. Tant qu'on n'a pas fini les 4 jeux, hein, Belkazi continuera. Hormis le 12h, donc Belkazi, tiens, tu ne dois pas être au courant, peut-être, probablement pas. Il y a un 12h, putain, j'ai plus de stats, fiché. Stream de 12h, vendredi 23, de 14h à 2h du mat. Tu es dans le coin. En plus, on va faire du multi-stream avec Aenoa, Ziwin et Niku. Qui est là, mais qui est AFK d'ailleurs. Donc ça peut être super cool. Ça sera probablement super cool. La porte d'embarquement a une sécurité. Si la gravité est coupée, elle ne s'ouvre pas. Mais tu ne peux pas la rétablir avec ces gros débris dans la pièce. Ah, bordel de merde. Oh. Et Riot Pickles, mon dieu. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue, comment vas-tu? Et bienvenue chez les kilos, merci beaucoup pour le follow. Qui m'a fait peur, mais j'avais le son coupé parce que j'étais en train d'éternuer. Ah là là. Ok. Il y a un mec qui flotte. Eh mais dis donc. Mais ça va nous amener à 1060 followers, ça. Ça veut dire qu'on va faire un giveaway. T'as eu peur, Aaron. Donc merci Riot Pickles de nous avoir amené à 1060, on va attendre que ça s'affiche juste en bas là, en bas au milieu. Et puis on lancera un giveaway, on fera probablement ça à la pause, je pense que ça peut être une bonne idée de faire ça entre Dead Space et Sanitarium. Bienvenue, j'espère que tu vas apprécier ici. Bonjour monsieur. Voilà, pour le cas où. Ok, donc ça c'est les deux météorites dont, dont il parlait. Danger, danger, anomalie dangereuse détectée, veuillez détruire les rochers. Ok, on va prendre ça. Salut Julien Lurquet, coucou Jadalcy. La tête à soirée hier, mais carrément Jadalcy, carrément. C'était très bien. Oh, c'est beau. Anomalie détruite. Ok. Oh, quoi? Il est où l'autre? Il est où l'autre? Ah putain, il est là. Voilà. C'est bon? Ok. Ouais non, ça a été carrément Jodalcy. J'ai hâte de... C'est pour ça que je suis resté un petit peu sur ma fin sur Sanitarium, j'ai envie de continuer. Mais Dead Space Rock c'est pas mal aussi. Alors, on va faire la même. En espérant que ça marche, que j'ai autant de bol. Que ça fasse... Si, alors, attends, si je shoot par là... Non, ça va pas marcher comme ça. Ok, il faut falloir que j'utilise trop loin. Trop loin. Est-ce que je peux aller de l'autre côté? Ok. Bah, et celui-là aussi va être trop loin. Oh. Ah, mais voilà. D'accord. Merde. Voilà. Bonjour. Il y en a encore un, évidemment. Ah ! Viens là, petite merde !
Dieu. Je suis en même temps, donc je suis à moitié. Je suis qu'à moitié le chat. Y'a pas de soucis, Belkazi. Amuse-toi bien. Si ça parle de toi, t'inquiète, je te citerai et puis. Ça te réveillera. Ok. Oh, sérieux? What? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis mort. Sanitarium, on est un peu folle avec les phrases en boucle. Ah oui, je suis parti quand t'étais un dieu égyptien qui parlait d'un mot à la minute. Je comprends, Jadalci, le jeu est mal fait pour ça, c'est vraiment débile. Mais bon, bah désolé, hein, en tout cas. Si ça parle de moi, tu hurles, ça marche, Belkazi. C'est un géant, mais lol. Je crois que la dernière fois que j'ai utilisé votre ADS, ça doit être à Noël l'année dernière en fait. Ah bah ça va en fait. Bon. Entrée zone sans gravité. On les met, on recommence. La porte d'embarquement a une sécurité. Si la gravité est coupée, elle ne s'ouvre pas. Mais tu ne peux pas la rétablir avec ces gros débris dans la pièce. Essaie de déplacer vers ce rayon de gravité par télékinésie. Ah, c'est ça que j'ai dû faire. J'ai dû passer au travers du rayon. Je pensais pas l'avoir fait pourtant. Mais... bizarre. Quoi, il y en a encore un? Bah, normalement il y en a. Ah, j'avais pas fini le premier en fait. Ok, d'accord. Ok. Ne touche pas la combinaison, Isaac. Ça va aller. Ah mais non en fait, on était à 1058, autant pour moi. Nous ne sommes pas à 1060. Puisque je vois 1058, ça va passer à 1059. On était à 1059 en commençant. Donc sortie zone sans gravité. Si je peux bouger ça. Non, je peux pas bouger ça. Par contre, je peux probablement. Non, je sais pas. Donc, pas de giveaway malheureusement. Ok. Non, mais non, pourquoi je reviens? Viens par là. Faut juste que. J'ai peur de. J'ai peur de sauter maintenant. On va aller là. Non. Là. Ok. Un verrou de force. Et ben voilà, on va pas l'utiliser parce que c'est de la merde. Arrêt gravité. C'est peut-être pas une bonne idée là. En fait. Voilà. Ok. Toi, viens là. Non, 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 non. Il est où l'autre? Olé. Putain. Ok. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je vais pas essayer de faire le kéké d'aller looter le bordel en fait. Du coup, par contre, ce que je peux faire, c'est ça. Comme ça. Mieux. Mais moi, je pense qu'il faut que j'arrête le truc pour sauter de l'autre côté, c'est ça?
putain, je suis là. Voilà. Alerte. Anomalie mouvante détectée. D'accord, il faut que je... Nettoyer la zone avant de restaurer la gravité. Supprimer. Mais alors comment je fais pour passer de l'autre côté sans crever, quoi? Par là? Tu peux courir là comme ça? Ok, on va. Ok. Viens là, Xbox. Thune, ça fait toujours plaisir. Est-ce que je peux le choper de là? Yes. Ok, il en reste une. Là. Voilà. Anomalie mouvante toute détruite. Vous pouvez restaurer la gravité. Restaurons la gravité donc. Oh merde. Putain, je suis... Ouh, qu'est-ce qui se passe? Là! Gravité restaurée. Accès à il y a tout qui tombe. C'est trop bien. Ah! Ça, c'est moi bien. Non! Non plus! Oh merde! Oh merde, bon bah adieu. Ah, pourquoi je suis parti par là, putain. Ah, ah, je sais pas s'il m'a fait une sauvegarde. Il a dû me faire une sauvegarde quand j'ai désactivé la gravité à tous les coups. Faut espérer. Sinon... Bordel. Bordel de bordel de bordel. Bon. Et sinon, Riot Pickles, comment vas-tu? Oh, maybe you know, you don't speak French, right, Pickles? Welcome here if you don't speak French, I have no idea. Entrée zone sans... Ah, faut que je me retape tout le bordel. Si la gravité est coupée, elle ne s'ouvre pas. Mais tu ne peux pas la rétablir avec ces gros débris dans la pièce. Essaie de les détacher vers ce rayon de gravité par télékinésie. Détruite. Merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça en fait. Détruite. Du coup, je m'en tape 4 en fait. Ah, je suis con. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça. Évidemment. Voilà. Je parle français, ça va très bien et toi? Ok, cool. Bah écoute, ça va bien. Je suis levé un petit peu tard pour le stream, mais ça va, je commence à être réveillé. Je commence à être réveillé maintenant. Donc ça, c'est bien. Ok. Bien, on va bouger les autres. Peut-être on va pas faire ça. Je vais ramasser ça aussi. Lève ton pied plus haut, s'il te plaît, Isaac. Merci. Ok.
si vous entendez des bruits, c'est normal. Apparemment, il y a ma fille qui est levée. C'est pour qui aux USA? Ah bah ça, ça te regarde pas. En fait. C'est bien essayé de demander, mais on s'en fout en fait. Je fais du support, je bosse dans le support client. Après, pour qui ça a pas vraiment d'importance. Ok, hop. Donc, il y en a un gros là, si je me rappelle bien. Ou alors c'est celui que j'ai déjà bougé, non? Ok. Il en reste plus que deux de toute façon. Alors, faut passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté. Hop. Voilà, toi. Là-bas. Ok. Ça. Il y a elle qui a haché un. Et ouais. Le problème. Le problème, c'est qu'il faut que je bute en fait ce truc là. Il faut que je bute ce truc là. Le gros Strom avant. Il arrive à prendre son bordel en fait. Il faudrait que je le. Faudrait que je le stase en fait, mais j'ai plus de stase. Ça c'est chiant. Anomalie mouvante toute détruite. Ok. Vous pouvez restaurer la gravité. Alors tu fais un truc qui te plaît. Eh ben ouais. Merci. Je sais qu'il y a des clients difficiles à supporter. Eh oui, carrément. Ça dépend des clients. Ça dépend des clients. Merde. Quel qui j'ai commencé Westworld. Alors t'en penses quoi? Moi je l'ai fini justement. Ah non, on n'a pas fini en fait. On nous reste la moitié du dernier épisode à regarder. Pas de spoil. Et alors t'en penses quoi donc du coup Marc? Moi j'ai franchement adoré. Il y a quelques petits trucs qui m'embêtent un peu, mais bon, ça sera résolu avec le temps. Putain, il est où le truc? Chier. Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Où je vais? Là. Attention, restaurer la gravité avant d'entrer dans la salle de contrôle. Ah oui, d'accord, mais je veux bien. Merci. Mais je trouve plus. Je trouve plus où que c'est, où? Attention, restaurer la gravité avant d'entrer dans la salle de contrôle. Merci. Ok. Putain, mais c'est par où? Ah, c'est vrai que j'ai une recharge de stase, ouais. C'est vrai que j'ai une recharge de stase. Bien vu, Spectro. Regardez ça. Mais. Je m'étais dit que je pourrais peut-être réussir à le faire sans cramer ma recherche de stase en fait. Bon après c'est vrai que je peux en acheter une autre. Ah c'est là-bas. Wouhou. Ok. Pour le moment c'est très prometteur et intriguant, je suis curieux de savoir quelle tire de direction ils veulent aller. Bah tu verras bien. C'est une très très bonne série. C'est un peu chaud qu'il faille attendre jusqu'en 2018 pour avoir la suite, mais bon. C'est comme ça. Alors, recharge de stase. Ok. Oh, ça recharge tout, carrément. D'accord. Le flingue est rechargé. Ok, allez, bon. Oh non, maintenant ça c'est maintenant qu'il recharge. Voilà. Ah merde. Putain. Non. Et j'appuie sur A. Ah non, j'appuie pas sur A. Là. Ah fuck. Putain. Non. Ah sérieusement. Et puis Anthony Hopkins et Ed Harris. Ah oui, c'est vrai que bah voilà.
Ça veut tout dire. Après, c'est HBO, hein, ils nous ont tué. Comment? Ils nous ont tué Sean Bean, donc. Putain! Entrée zone sans gravité. La porte d'embarquement a une sécurité. Si la gravité est coupée, elle ne s'ouvre pas. Mais tu ne peux pas la rétablir avec ces gros débris dans la pièce. Essaie de dépasser vers ce rayon de gravité. Là maintenant, elle est réveillée, ma fille, ouais, c'est sûr. Anomalie détruite. Ah putain! Dégage! Dégage! Ah là là! Yonoshi! Le nouveau alerte follow la rage du kilo. Ah là, ça m'a sérieusement, bah, vous l'avez, tu l'as bien vu, Spectro, je rage pas souvent. Mais là, ça m'a vraiment pété les couilles. Je te l'avoue. Vraiment. Ah putain. Non. Saute. Ah, vache. Ok. Voilà. On est bon. Ça va bien, Naoshi. J'ai enregistré ça, dites-moi que oui. Alors là... Alors je vous rappelle que pour faire les clips, il y a une petite commande, point d'exclamation clip qui explique tout. Mais vous pouvez faire des clips sur les rediffusions aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc si vous avez un truc que vous voulez clipper, mais vous n'avez pas eu le temps de clipper, n'hésitez pas à noter le temps. À revenir sur la rediffusion pour clipper. Envoyez-moi tous les clips que vous avez, comme ça je choisirai celui qui me plaît le plus et je le mettrai sur le poste de vendredi. Hop. Non, je peux monter là, je suis con. Ok. Ça va, t'as l'air de bien t'amuser, toi. Oui, oui, carrément, bah, je m'amuse toujours bien, moi. Surtout avec quand il y a des kinos ici, aucun souci. Merci Spectro. Gravité versus ninja. Pour l'instant, c'est la gravité qui gagne. Hein. Ouais. Normalité détruite. Merde. J'ai mal visé. Tiens, à viser là en fait, ça va être... Oh non, non. Hop. Voilà. Ok, on est vous good. Pouvez restaurer la gravité. Je passe de l'autre côté. Achievement, vous avez débloqué l'Elky Rage. C'est un peu ça. Putain, mais saute quoi! Oh là. Il m'a presque fait peur lui. Bien! Ok! Fuck! Hein? Ah non! Là! On va aussi prendre un petit. Est-ce qu'on a des. Ouais. Ok! Prendre le gros qu'on va recharger. Voilà. De l'autre côté. Là. Prends l'autre flingue. Salut. Quoi, boum. Boum là, boum. Ah, il est encore derrière. Non. Le
Bordel! Sérieusement? Oh! Putain, mais c'est super chaud! Je me prends super mal, faut que je fasse autre chose. C'est pas possible. On va pas y passer 10 plombes ici, quoi, sérieusement. J'ai faim. Ça me donne faim, toute cette boucherie. Ok. Se calme. Va bien. Vite, je te hais. Mais en fait, c'est ça. Il faudrait que. En fait, c'est le fait qu'il y ait la gravité qui soit revenue. Je peux même pas me barrer. Entrée zone sans gravité. Ces contrôles de merde, quoi, sérieusement? Là, on sent bien là tout le. Oh. Anomalie détruite. Allez, viens. Un petit harvester pour se détendre. Si seulement. Non. Merci Specto. Envoie-moi ça par MP s'il te plaît, en message privé ou sur Steam ou sur. Enfin, voilà. Que je le garde. Je le mettrai dans la liste des clips à regarder pour vendredi prochain. Ok. Oh là là. Ah. Chargé, c'est rechargé. Anomalie détruite. Bien. Ok, tout va bien. Je vais même pas chercher à loot des trucs là, on s'en fout. On va. Là. Ok. Ah voilà, nous sommes à 1059 maintenant. Dans un follow, on fera un giveaway. Jamais vous ne suivez pas la chaîne, n'hésitez pas. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne si vous aimez bien. Ok. Lui là. Viens là. Donc c'est par là qu'il sort. Anomalie détruite. Il est où l'autre? Il est de côté. Je te follow une fois de plus. Si tu pouvais, je sais que tu le ferais, Aaron. Oh! Boum. Ok. Anomalie mouvante, toute dérive. Aaron veut juste le giveaway. Restaurer la gravité avant d'entrer dans la salle de contrôle. Je sais que tu plaisantes. Ok. Ah si, les follow, hein. Voilà, c'est ce qui permet de montrer si une chaîne est populaire ou pas. C'est avant tout le nombre de viewers, le nombre de spectateurs, et après les follow sont importants aussi. Bon. Ok, réflexion, action, réflexion, je pense que, j'étais correctement parti en fait,
faut juste que je temporise un peu plus. Ils arrivent par derrière et par devant. Tu es la veine, nous sommes le sang. Oh, comme c'est bien dit. Gravité restaurée. Accès salle de contrôle autorisé. Non! Non! Allez, loin, 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 loin. On recharge. On regarde ce qui se passe. Il se passe ça. Tempo. Ok. Il y en a encore un qui se balade là-bas. Putain. Snipe! Ok, il veut pas le snipe. D'accord. Pas grave, pas grave. Il est où ce con? Ah, il y en a un autre là. Ok. C'est bon là? Je peux loot maintenant? Ça a l'air d'être bon là. Oh, et ton stream est le cœur. De quoi se faire du mauvais sens, c'est pas de veine. C'est veine perdue, ouais. GG, allez. Allez les blagues là, allez. Ok. Et trouvez-moi un titre pour Sanitarium qu'on va, sur lequel on va passer dans 10 minutes, les gens. Trouvez-moi un titre qui n'a pas déjà été utilisé. Genre, sinon je mets Bad Sanic, c'est Elkinou. C'est nul, putain. C'est pas un loot, ça. Yeah. Ok, on est good. Allez, 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 allez. C'est là qu'on doit aller. Ok. Plein de trucs à loot. J'aime. Tu veux jouer au sanitaire? Tu veux faire un mauvais jeu de mots sur Danse avec les stars si jamais. Genre le gros ne gagne jamais. Quoi? J'ai pas compris, Aaron. Non, faut dire que je sais pas ce que c'est que Danse avec les stars. Et ni le gros ne gagne jamais. Ok. Oh, sérieux? Mais le couloir est tout petit! Mais non! Ah!
sanitarium, les toilettes qui rendent fou. Ok. Si jamais il y a mieux. Attention, parce que je vais mettre copyright Spectre 1. Attention. Recycler les matériaux usagés régulièrement. Merci. Ouh, sauvegarde. Oh yes. Ah là là. Enfin. Oh de Dieu. Deux secondes. Très bien. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Une enquête de l'inspecteur Walter Closet. J'aime bien ça. J'aime bien, j'aime bien. Ah, ça j'aime pas. Ok. Pour l'instant, je prends Belkazi. Hein. Pour l'instant, j'aime le titre de Belkazi. Ok, 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 c'est par là. J'ai appuyé sur mon truc qui me dit où que c'est par où que c'est que c'est où. Ouais. Donc maintenant je vais au pont D en fait. Hein. Objection. Vas-y Spectro. Object. Oh putain. Comment ça, Groumph? Je demande une inspection des sanitaires. Bah, c'est bien, Walter Closet est là. Oh là là. Pardon? Pardon, 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 pardon. Non, 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 non. Ah, t'es pas mort. Oh putain. Bienvenue sur le stream Métro 2033, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. En quelle difficulté? Je suis en normal, me semble-t-il. Juste en normal. C'est mon premier run, hein, donc... en général, les premiers runs, je les fais en normal. Sauf quand je suis un peu taré. Ou quand on me dit, ouais, mais non, c'est mieux. Ah ouais, voilà, super. Ok. Prends Belkazi, mais c'est dégueulasse. Pas si je suis consentant. C'est ça, exactement. Ah, Walter Closet a clos le débat, carrément. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites? Parfait. Si vous approchez, je le tuerai. Mais c'est dégueulasse. Donnez-moi les codes d'accès au chargement. Non, pauvre fou. C'est la procédure. Je ne peux pas vous les donner. Je ne peux pas. Arrêtez ça. Arrêtez de tous vous foutre de moi. Je dois emmener le monolithe à tout prix. Je veux ces codes. Je ne les ai pas. Si vous avez... Si vous avez tué tout le monde, allez, si vous en avez, tirez. Bon Dieu, il faut l'arrêter tout de suite. Tant qu'il en est encore temps. Il a perdu la tête. Appelez la sécurité. Ok. On s'est par là. Encore 5 minutes. On va jusqu'au prochain point de sauvegarde, on va dire. Je suis normal, Justin normal. Justin normal. Ah bah tiens, jusqu'au prochain point de sauvegarde et là, pouf, point de sauvegarde. Ouais mais non, 5 minutes on a dit. Oh salut. Ok.
Ok, on va sauvegarder. J'imagine que ça va charcler ici en fait. Donc on va pouvoir revenir au point de sauvegarde assez rapidement si on veut. J'imagine. Ah, je le sens pas. Ah là là. Non. Coupe la tentacule, bordel. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il est vomi, ces trucs-là? Ah là là là. Aïe. Où? En haut, voilà. Non mais sérieux. Merde. Non. Encore une. Il dit bidon a explosé, je voulais pas le faire. Cas où. Ouvre. Ouvre la porte. Isaac. Est-ce que c'est bien toi? Ça fait tellement longtemps. Mais je peux t'aider. Rejoins-moi. Ok. Je te rejoins. Mais je loot avant, si ça ne t'embête pas. Ah, super. Voilà. Si, y a un truc à loot là. Ah. Je le sens pas. L'adjectif sanitaire désigne les activités relatives à la santé et l'hygiène, tout à fait. C'est ce qu'on traîne que cette nana meurt dans notre souffrance. Il y a des chances. La balise est dans l'entrepôt, près de toi. Je dois pouvoir le déverrouiller d'ici. Tiens bon. Bon allez. 59. Prochain point de sauvegarde là. Non! Non! Allez! Ah, c'est sur ma gueule maintenant. Adieu. Merde. Il y a trop de barbac là. Non. Putain. Crève. Ok. Ok, la porte est ouverte. Je peux pas te rejoindre, mais je vais chercher. Je t'aime. Tout sera bientôt fini. Ok. Ah, disent que cette nana est un monstre. Je parie plus qu'elle se fasse exploser la tronche. Pour ça, à mon avis, Marc. Vous avez jamais joué à Dead Space? Non, Metro. Comme je l'ai dit, c'est mon premier run.
Donc pas de spoil. Merci Spectro pour la pour la commande. Et bien, mais elle est en train de te trahir. Non, on verra à la fin. Oui, on verra. De toute façon, quand on verra ce qui se passe, effectivement. Ne dis rien du tout, s'il te plaît. Sinon, c'est pas cool. Balisez-la. On va looter le bordel avant. Bah non. Apparemment pas. Isaac. Hey, j'ai perdu ton signal un moment. J'ai cru que tu étais... Je vois que tu as la balise. Rends-toi à la zone de forage et fixe-la à l'astéroïde. D'après la simulation, il faut qu'on dépêche de l'avancer. Comme ça, elle pourra atteindre rapidement la distance optimale de transmission. Chut. Toujours rien pour Amand. À vrai dire, je me fais plus trop d'illusions. Je vous fais ça... Une très bonne série. Ouais, j'ai l'intention de le faire, t'inquiète pas. C'est quoi? Schéma de... Ah, yes! Ah, putain! Ah. Hyper Sonia, bienvenue ici, bienvenue chez les Kilos, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Ok, et ça nous amène à 1060 du coup les amis, donc du coup il y aura un giveaway, pendant la pause. Donc là, pour ceux qui viennent d'arriver ou qui ne savent pas ce qu'on va faire, je trouve un point de sauvegarde rapidement et après on change de jeu, je vais prendre une petite pause de 5-10 minutes, on change de jeu et on passe sur Sanitarium. Si le, si, j'imagine qu'on va le point de sauvegarde qu'il y avait juste avant l'ascenseur. C'est giveaway, Spectro. Non, c'est un monstre. Elle se balade toute seule dans une zone pleine de monstres et elle est en vie. C'est pas possible pour que c'est un monstre. Non, mais ouais, c'est possible, Marc, effectivement, parce que elle avait même pas d'arme en fait. Elle avait même pas d'arme. Donc c'est une bonne possibilité en fait. Parfait. Bon. Bah, je suis toujours fou. De toute façon, c'est qu'une munition, on s'en fout. Bon. Et bah, on est reparti. J'imagine que c'est par là. Hein. On est reparti. Pour le même bordel. C'est super lourd avec le maniement de merde du jeu. Aïe. T'es où? T'es là! Wow! Crève, sérieusement, s'il te plaît. S'il te plaît, crève. Non! Merci. Voilà. Ok, salut. Ah. Protection requise en toutes circonstances dans les zones de classe A. Bah on va sauvegarder ici et puis on va s'arrêter ici. Voilà. Oh. On aura bien avancé. Pas assez à mon goût. J'aurais bien aimé avoir fini le chapitre 7, mais bon. Comme ça. Y a pas de Strum qui nous attend là, non? C'est bon. Voilà, ouais, c'est bon. Ok. Arrête ici. Hop hop. Et si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, c'était Telkino et c'était l'épisode numéro 5 de Dead Space. Merci beaucoup et au prochain épisode.